Salut, c'est Fit pour Factor News. Aujourd'hui dans Tu connais, on va regarder Kill Squad. Alors, comment ils sont ? Aujourd'hui dans Tu connais, on va regarder Kill Squad. On va lancer tout de suite une petite partie. On fera jouer avec le menu après. Ok. Alors, c'est parti, voyons voir comment les sons. Ce qu'on entend un peu. Alors. C'est pas très fort, je pense qu'on m'entend un petit peu plus, mais on va dire que ça ira. Ok, on va voir si je peux modifier ça. Je jure quoi. C'est à fond. Bon bah. On va laisser ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec la souris? Ok. Donc c'est un top-down shooter. On peut jouer clavier-souris. Moi j'y joue à la manette. Voyons voir. Ouais. Donc on tire là où on vise, j'ai trois capacités donc sur les gâchettes, RB, LT, RT et puis une dernière qui se débloque plus tard. On voit au-dessus de mon perso j'ai ma vie, là, l'espèce de carré blanc. La jauge en dessous en bleu c'est une jauge qui est spécifique au perso, je crois que c'est juste de focus. Et les deux petits carrés blancs c'est pour les esquives. Voilà donc c'est de la stamina, hop ça se recharge tout seul, bim. Donc j'ai une mission ici. Execute target, qui est à 700 mètres, un peu moins. Et puis j'ai l'espèce de minimap qui m'a dit où c'est. Donc là, j'ai mes 4 capacités et je suis niveau 1. Donc je vais avancer et puis je vais croiser des ennemis. Dont il s'agit. Je peux ramasser de l'ADN ici. J'en ai 15, c'est mes crédits. L'ADN ça sert uniquement pendant les niveaux. Donc là je peux ramasser du loot, c'est du stuff de craft. Alors on va parler vite fait là, c'est que je démarre niveau 1 en chaque map. Je peux monter jusqu'au niveau 10. Et donc à chaque fois que je vais relancer, je vais repartir niveau 1. Donc ça c'est une espèce de progression qu'on a comme dans les MOBA, Dota et compagnie, où à chaque fois on redémarre niveau 1. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que des fois j'ai le curseur? C'est bizarre ça. C'est pas la souris. Bon. Donc l'ADN, la DNA, là où j'en ai 15, ça me permet d'acheter des trucs uniquement dans le cadre de la mission. Ouais mais en fait ça me fait chier ce curseur là-haut. Pourquoi il apparaît? Voilà. Tu disparais maintenant. Ok. Donc mon perso a... Pourquoi est-ce qu'il réapparaît systématiquement le truc? C'est bon. Ok. Mon perso a plusieurs capacités, donc j'ai mon attaque de base. Qui marque les ennemis là avec l'espèce de tête de mort, je peux en marquer 4 en même temps, je crois, ou 3. Une fois qu'ils sont marqués, je peux utiliser mon LT là, l'espèce d'œil. Hop. Pour automatiquement shooter les ennemis qui sont marqués. Et j'ai un gros tir avec RT là. Boum, qui traverse les ennemis. Et RB, c'est une grenade, je crois, qui ralentit les ennemis. Donc R d'effet.
Et ce qui se passe, c'est quand je fais du level up, donc un niveau sur deux, je gagne juste des stats. Et un niveau sur deux, je vais avoir une upgrade. Ok. Donc, je fais de l'XP. Je sais pas si ces petites tourelles me donnent de l'XP. J'ai pas l'impression, donc on va les laisser tranquilles. Je les dégomme juste pour pas être embêté, mais en fait, à part ça, pas vraiment d'intérêt. Voilà, on peut passer niveau 2. Ok. Alors. Attends, y a un truc avec le clavier. Hein. Je vais juste jeter un œil. C'est pas normal. À tout. Ok, donc là je peux sélectionner mon upgrade, donc j'ai le choix à chaque fois parmi 3 ou 2, et c'est par le niveau, c'est-à-dire que ces upgrades là je les ai au niveau 2, je les aurais pas au niveau 4. Donc là les ennemis que je marque peuvent prendre plus de dégâts, c'est bien. Détonner le strong shot, je sais pas ce que c'est, radius du gravity. Donc ça ce qui est intéressant c'est que du coup on peut tester des variantes toutes les, chaque map quoi. Là, je prends ça, parce qu'avec les ennemis que je marque, avec la tête de mort, maintenant ils se prennent 20% de dégâts en plus. Voilà, 57, et puis hop, direct 69. Ça c'est cool. Donc, ce qui est bien avec le truc la tête de mort là, c'est que c'est auto-guidé. Hein. Je marque les ennemis, après je tire. Et c'est fini. Donc les grosses attaques des ennemis sont indiquées par les marqueurs au sol, ce qui permet de les esquiver, heureusement. Ouvrez des coffres, donc ça donne des crédits ou du matériau de craft, ça remonte un tout petit peu la vie aussi. Donc là en dessous de ma vie, on voit l'espèce de jaune, jauge rouge, c'est du focus, c'est spécifique à ce perso. Plus j'ai de focus, plus je fais de dégâts. Ça descend hein, tout seul. Voilà. Donc l'exécution là j'aime bien. Le gros tir j'aime bien aussi. La grenade par contre je m'en sers assez peu. Elle fait pas vraiment de dégâts, elle fait que ralentir les ennemis. Donc là on a une espèce de dégâts élémental là, des météorites qui tombent, ça arrive. C'est un danger de la map. Faut savoir que les ennemis peuvent se faire toucher par ça. Ouch. Le problème c'est que quand je fais mon gros tir là je suis bloqué. Je suis passé niveau 3, mes stats ont augmenté donc j'ai plus de dégâts, plus de vie. Pas bon du tout. Bon, alors là, j'ai tout cumulé. Là. Je me suis pris tous les tirs. Donc là, c'est pas bon du tout. Alors, ce qu'on va trouver, c'est que en général, les niveaux sont assez longs pour arriver facilement au niveau 9 ou 10. Niveau max et ça va être agrémenté de des espèces de bornes de marchands. Oula, mais je vais crever en fait. Ok, normalement j'ai pas censé attendre là, je sais pas pourquoi j'ai mon curseur qui apparaît de temps en temps là, c'est super chiant.
Alors par contre ce tir d'exécution là ça traverse pas les ennemis. Ça touche juste ceux que c'est censé toucher et basta. Ça c'est génial, c'est pas très bien. Niveau 4. Je remonte pas de vie. Ça fait du bien. Nouvel level up avec une nouvelle upgrade. Je peux gagner plus de focus par kill. Quand je roll, ça fait une zone qui slow. C'est pas mal. Donc ça, ça. Strong shot utilise une traînée qui fait des dégâts sur le temps. Je vais prendre ça. Là, ce qui serait bien, c'est que je trouve une espèce de marchand pour remonter ma vie. Bon, ça, ça va être pas mal aussi. Hop, ça monte un peu la vie. Là. Voilà, on voit la traînée. C'est cadeau. Bon, voilà, je l'ai fumé. Donc on a des ennemis un petit peu plus costauds là. Et puis de temps en temps, des fois, on va croiser des élites. Voilà, qui ressemblent un peu à des mini-boss, on va dire. Là j'ai eu de la chance sur les drops, là j'ai pu récupérer pas mal de vie. Parce que j'étais vraiment 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 mal en point. Ok. Alors le jeu est en early access, il est disponible depuis je crois mardi, comme ça. C'est tout nouveau tout. Voilà. Moi la traînée ça me fait rien. Ah voilà, un marchand, parfait. Ok, fort bien. On va juste faire gaffe parce que quand je suis dans les menus ou chez les marchands, en fait, le jeu ne se met pas en pause. Faut faire gaffe. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai peut-être plus besoin de vie. Je peux acheter des bonus qui sont temporaires. Enfin, qui sont pour la mission, juste. Pourquoi est-ce que c'est terrible, en fait, quoi? Je suis limité par la souris, quoi. Pas ce qui se passe. Ok. Ce qui va se passer, ça... après on va relancer le jeu parce que ouais, j'ai un problème avec le avec les contrôles. Oula, oula, oula. Ok. Mais non, je comprends pas pourquoi j'ai le. De l'armure? Non, ça veut pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe? La vie, j'en ai pas besoin. Donc là, on voit sur ma barre de vie, j'ai une barre jaune. C'est de l'armure. Ça prend plus de dégâts. Et je crois que tant que je suis dans l'armure, je peux pas me faire stun ou des trucs comme ça. On peut avoir aussi une barre bleue qui est du bouclier qui lui surcharge. Donc un peu comme dans Halo ou tous les jeux qui ont des boucliers. Tuer les ennemis, ça sert juste à faire de l'XP pour la map courante. Ça n'a aucun intérêt en dehors. Puis il a de l'armure. Bim, il a plus d'armure. Il est mort. Niveau 6. Niveau 6, c'est le niveau où on choisit son ultime. C'est comme dans un MOBA, comme Dota ou League of Legends. Donc là, j'ai le choix parmi deux ultimes. Donc, Bullet Storm, dégâts de zone ou des clones qui mettent pendant 15 secondes. Donc, je vais prendre ça. J'ai pas mal de fric quand même. Est-ce que je vais m'acheter un autre truc? Je sais pas comment ça fonctionne ce truc-là. On va acheter ça. Si j'y arrive. C'est quand même terrible. Regardons les contrôles. Putain, c'est terrible quoi. Ah d'accord, c'est avec les. Avec le D-pad. Ok.
Alright. On va le tester tout de suite. C'est avec O. Ok, d'accord, avec un cooldown de 25 secondes. Très bien. En général, à la fin, bah, y a l'objectif, la fin du niveau qui est en général un boss. Il nous aurait de fond. On va voir ça par la suite. Là, c'était vraiment juste pour montrer un peu comment le jeu se joue déjà. J'ai encore deux upgrades possibles au niveau 8 et au niveau 10. Donc, je suis à 300 mètres de l'objectif, c'est-à-dire que j'ai à peine fait la moitié du niveau là, en termes de distance. Donc là, c'est le curseur de la souris qui est repassé dans le coin pendant une seconde, ce qui est génial. Donc, j'ai perdu mon pouvoir. Mais fait de jouer à la souris en fait. La souris. Un peu au pad, un peu à la souris. Okay, ça c'est dangereux ça. C'est dangereux, ok, ça c'est une espèce de boss, un fameux élite. Bon, la bonne nouvelle c'est que si j'arrive à le dégommer, je vais faire du level à part. Le problème c'est que je suis pas évalué. Ce qui est bien au moins c'est que j'ai l'impression que je peux cancel à peu près n'importe quelle animation avec mon dodge. Ok, une fois qu'il a plus d'armure, ça devrait être le faire. Voilà. Et puis un gros coffre qui a un petit peu ma vie, qui me donne du stuff. Ok. Salut Bosca. Oui, il y a du multi. Le jeu est vendu vraiment sur le côté coopératif, jouable à 4. Là je voulais juste montrer un petit peu tout seul pour montrer, on testera bah on testera pas avec des gens que je connais puisque personne l'a, mais je pourrais montrer un peu le matchmaking. Donc je peux avoir un dodge en plus, strong shot qui augmente d'entaille pour chaque ennemi que je touche, ou quand je touche un ennemi qui est marqué, ah ça spread les dégâts sur tous les ennemis marqués. Allez, on va faire ça. On va finir déjà ce premier niveau, et puis on va jeter un petit œil au menu. Ah, ça c'est des mines. Hein. Donc là, j'imagine qu'il va y avoir des ennemis si je m'approche un peu plus par ici. Non. Non. Donc je peux acheter de la vie. La vie, projectile, du bouclier. Tiens, on va acheter du bouclier. Voilà, donc j'ai perdu mon armure, par contre j'ai du bouclier en bleu, lui il se recharge au moins. Crotte, donc en fait j'aurais peut-être dû dodger. Je marchais pas assez vite. Boum. Voilà,
Voilà, donc là on voit que les ennemis marqués se partagent les dégâts. Je vais revenir en arrière puis je vais me soigner là. Je vais me le prendre si tu veux, on game ensemble. Bah écoute, si t'arrives à le télécharger dans les 10 minutes, ouais, vas-y. Hein. Ça, on pourra tester ça. Hein. Hop, on va se soigner. Bim. Alors, les DNA, là, l'ADN, ce qui n'est pas utilisé à la fin du niveau se transforme en crédit. Donc les crédits, eux, sont persistants. Ok. Forcément, quand on arrive plus loin au niveau, on est beaucoup plus efficace, hein, puisque on a toutes les améliorations qu'on a récupérées en faisant le level up. Bim. Ah, ça c'est ballot. Caillou. Voilà. C'est un jeu avec une histoire où un genre tu dois te stuffer. Alors, j'ai pas eu des scénars pour l'instant, non. C'est plutôt effectivement une espèce de The Shooter avec du loot. Et encore, il n'y a pas des masses de loot pour l'instant, puisque ça vient juste, comme dit, de sortir de l'access. Le gameplay de base est là. Déjà bien. Et ils vont rajouter du contenu au fur et à mesure. Pour l'instant, il y a 4 personnages. Pareil, hein, j'imagine qu'il y en aura beaucoup plus par la suite. Comme dit, je vais montrer un petit peu ça une fois qu'on est dans le menu. Après. Les niveaux ont l'air d'être générés procéduralement. Il y a différents environnements, donc avec différents ennemis. Hein? Voilà. Donc la barrière là, ça c'est l'entrée du boss. 150 mètres encore avec le boss. Ah. Bon, de toute façon, là il y aura peut-être encore 2-3 ennemis, mais. Abomination niveau 10. Ok. Je sais pas c'est quoi l'icône là de crâne. J'imagine que c'est un ennemi de mêlée. Je ne me suis jamais battu contre ça. C'est une mission spéciale ça. Donc on va. On va déjà dégommer tous les petits trucs. Hein. Pas être embêté. Par ça quand on fait le boss. Voilà, niveau 10, parfait, juste pour le boss. Ok, on va prendre la dernière upgrade. Donc j'ai le choix entre les exécutions tirent 2 fois sur les ennemis marqués, très très pratique. Les clones peuvent utiliser strong shot, je n'utilise pas souvent les clones, ou gravity shot qui marque les ennemis dans la zone. Ça peut être pas mal, tu balances une grenade, tu marques 10 ennemis, puis après tu les exécutes derrière. Le problème c'est que généralement quand tu arrives là, l'ennemi principal c'est le boss. Le boss il est tout seul quoi. Donc ce qui m'intéresse plutôt c'est le marquer et tirer 2 fois dedans. Ouf, j'ai pris cher. Hein. Ok, donc il y avait encore des petits ennemis. En même temps, vu que je suis à 100 mètres, c'est pas surprenant. Ok, j'ai repris un peu de vie. Donc on voit déjà la barre de vie du machin, j'espère qu'il est pas. Il va falloir un quart d'heure pour le dégommer. Et donc il y a un paquet d'ennemis encore. Avec pas mal de gros ennemis en plus dans le tas. Hein. Donc le. Petit problème avec le fait de tirer 2 fois sur les ennemis, c'est que c'est plus de temps où je suis immobile. Parce que je suis immobile lorsque je balance mon pouvoir. Il faut pouvoir se le permettre. On va juste faire le tour, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec d'autres ennemis qui me tombent sur le pif. Voilà. Pour ça. Voilà.
L'ADN, ça fera du fric en plus à la fin. Bah et donc, c'est drôlement grand comme zone de boss. C'est très étrange. Enfin. Donc les persos, on en a 4. Ça, c'est Troy. Le Gunslinger. Le design particulier. J'aime pas trop mal, sauf la tête. La tête de petit gris, j'avoue que je suis pas fan. Et la casquette. Casquette de trucker, là. On n'est pas loin de la casquette MAGA. C'est un peu bof, mais bon. Ok, donc ça servait absolument à rien. Voilà. Bon bah, c'est le moment de se barrer maintenant. Allez, c'est reparti pour tout le tour. On va juste regarder où on en est là déjà. On est à... Qu'est-ce que ça indiquait là? 30 minutes, ah la vache. Un peu moins hein, d'ailleurs, mais il serait temps de finir cette mission. L'idée ensuite c'est que je vais vous montrer les trois autres persos, tant qu'à faire. Donc pour l'instant il y a deux persos mêlés, deux persos à distance. Donc on va dire il y en a un petit peu pour tous les goûts. Je vais juste relancer le jeu hein, pour éviter les blagues. Ouais, tous ces ennemis c'est génial parce que ça me fait perdre pas mal de vie là, juste avant le boss. Ce qui serait bien c'est s'il y avait un marchand. Non, ça serait très bien vu. Ah, un petit pick-up comme ça c'est bien. Parce que là je suis à 30 mètres du boss mais... Je vais vérifier qu'il n'y a pas encore d'autres machins qui va me tomber sur le pif. Ok, il est là. Ouh, il est pas beau, il est grand. Ok, une grosse aire d'effet là. Je crois que je suis vraiment sur le bout. On va essayer d'éviter de se foutre dans un coin. Voilà, ça c'est une très mauvaise idée. C'est très dangereux ça. Voilà, ça c'est bon. Voilà, tout ça. Ah, c'est le moment d'utiliser notre ultime. Ok, ça c'est nouveau. Ned. Bon, bah écoute, s'il fait tout sur ça dans la même direction, au moins, je peux être tranquille. J'ai les ennemis qui sont en l'air là, ça sent le bug, c'est pas bien grave. Ah, je pense qu'il est censé les balancer un peu partout, sauf que là ils sont en dehors de la zone. Et ça me dérange pas.
Beaucoup de villes, Jean-Michel, hein. Hop, hop, hop. Voilà. Donc heureusement le jeu est quand même hyper hyper maniable. Les contrôles sont... Chut. Les contrôles fonctionnent bien. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe si je meurs? Si je meurs, c'est fini. Je reviens à la map, au menu principal et j'ai tout perdu. Je garde le fric que j'ai, je crois. Mais je crois que j'ai d'autres bonus sur ce que j'arrive. J'arrive à finir. Aïe. Pas vraiment ce que je voulais faire, mais ça va. Allez, meurs. On appelle les copains à la rescousse. Et là il est mort. Voilà. Objectif complete. Et il drop pas un coffre là normalement? Non. Peut-être qu'il l'a droppé là où il a spawné. La map est tellement... Ah putain, il y a un coffre, on le voit sur la minimap là. Ouais, donc ça c'est nul. Ah, j'ai le temps de l'ouvrir. Ouf. Ouais, donc voilà, la tête de petit gris là, et la casquette, je suis pas fan, le reste, le design est plutôt cool. Je sais pas c'est quoi ça, ces trucs là. Voilà, et puis le DNA que j'ai, c'est transformé en crédit. Voilà, donc ça c'est le menu principal, on va relancer le jeu. Je ne quitte pas l'audio, c'est juste le jeu. Que je relance dans la foulée. Normalement, ça va reprendre direct. Voilà. Ok, donc le jeu est bien relancé. Voilà, le menu principal. Donc là, on voit qu'il y a de la place pour 3 personnes. D'accord, je peux inviter, mais bon, je sais personne qui a le jeu. Le lobby, donc on peut voir, il y a la place pour les autres. Mes crédits. Vector, là, c'est l'espèce de gear score. Donc j'ai pas de niveau à proprement parler. Le niveau que j'ai, c'est par rapport au niveau du matos que j'ai sur moi. On va voir ça après. Et donc on choisit les niveaux en fonction de son niveau, du niveau de difficulté, donc... c'est random, et puis on voit que c'est des niveaux 10, 15, 25, voilà. Donc ça c'est de 1 à 30, de 35 à 90. Et puis la petite icône ici, ça indique ce qu'il faut faire. Là c'est faut tuer un truc, là c'est protéger, ça c'est défendre un truc de transmission, c'est pas exactement la même chose, ça c'est détruire un cristal. Et puis on peut voir un peu en gros qu'on peut gagner des crédits et des ressources. Voilà, puis on voit la planète. Donc la planète, ça définit l'environnement. Donc Palace of Pain, Wasteland 7A, Kemek. Bon. On va voir ça derrière. Ah non, je crois que c'est pas... Non, c'est pas mieux. Bon, tant pis. Alors, on a nos 4 héros ici. Donc on va rester sur Troy. Là, on peut changer de skin. Bon, c'est juste une changer la couleur, hein, vite fait. Donc, il y en a deux par défaut. Par la suite, j'ai mis qu'on peut en débloquer. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être qu'il y aura des accessoires cosmétiques qu'on pourra débloquer. Donc, le descriptif. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, quand on va dans la partie le héros, là, on n'a pas le vector, là, le level qu'on a. Quoi. Là, enfin, faut que j'aille dans inventaire pour le voir. Donc là on voit les attaques qu'il a, attaque basique, le strong shot avec le cooldown, l'exécution, gravity shot, ça c'est les DPS qu'il a par défaut, c'est bien pour voir un peu les dégâts, 50, 40, 60, 40, la vie, donc j'ai 8000 plus 1000,
J'ai pas d'armure et j'ai pas de bouclier. Comparativement, lui c'est 10 000, donc plus de vie. Elle a du bouclier en plus. Voilà. Et ici, donc on peut voir les skills que j'ai de base. Donc mon attaque, le strong shot, l'exécution, le gravity shot, la grenade, la roulade. Donc je peux le faire deux fois, et puis focus, qui est le truc un peu spécifique. Et puis je peux voir les différentes upgrades que je peux avoir aux différents niveaux. Donc, niveau 2, 4, 6, 8, 10. Donc on a vu genre le clone là. Clone qui est plus strong shot. Mais si j'avais pris celui-là, Bulletstorm, bah j'aurais le lifesteal à la place par exemple. Donc ça, ça permet de voir un petit peu à l'avance, ok, ce qu'on peut monter par la suite. Et l'inventaire, bah c'est simple. L'inventaire, il y a... ça représente ce niveau. Il y a le niveau, c'est le vecteur total, c'est la moyenne des trois. Donc j'ai une arme, j'ai un item de support et un prototype. C'est un peu vague, mais globalement ici on a des trucs de défense qui rajoutent de la défense, un type de dégâts, plus de vie de medpack, un bonus de vie. Donc là j'ai 1000 de vie en plus, mais je peux équiper ça. Bim. 2500. La bonne nouvelle, c'est que les trucs, ils peuvent être équipés sur plusieurs persos à la fois. Donc on voit que j'avais celui-là avant. Donc je suis à 33. Celui-là, c'est marqué qu'il est équipé par 0, mais je peux quand même l'équiper. La seule différence, c'est comme il est déjà, s'il est équipé par un perso, je peux pas le détruire, le dismantle, pour récupérer du matériau de craft. Équipé bah, par 2 héros. Donc, rajouter de l'armure. Réduction aux dégâts de feu, rajouter de la vie. Ça augmente ma vitesse de déplacement après avoir fait un dodge. Moins de dégâts à distance. Et puis on peut voir ici, il y a un petit truc en gris là. Extra speed after dodging. Donc ça c'est... Vous voyez le petit rond ici, en fait on peut upgrader le truc. Ça demande des matériaux de craft pour bénéficier de ce bonus. Dans les prototypes gear, c'est ça, c'est prototype ça? Ouais. On a des trucs genre renvoyer des dégâts que j'ai reçus. Les ennemis me donnent plus d'XP. Donc ça c'est cool parce que ça permet d'arriver plus vite au niveau 30, au niveau 10. Les ennemis peuvent plus de chances qu'ils drop du loot. Je peux spawner une mine. Basic attaque qui font plus de dégâts sur les ennemis de rang S. Je sais pas c'est quoi un ennemi de rang S. C'est tous les élites. Est-ce que le boss fait partie des ennemis de rang S? On peut avoir une tourelle. Remove the active cooldown of other items. J'imagine que c'est un item qui m'enlève le cooldown. Plus de crédit. Enfin voilà. Ça c'est pas mal de bonus. Et les armes. Donc il y a différents modèles. On peut voir j'en ai deux à peu près du type là. C'est-à-dire que chaque modèle là, les Third Monday, ont tous les mêmes bonus. Donc, les ennemis qui sont stunnés par le Gravity Shot prennent plus de dégâts du Strong Shot pendant 5 secondes. Donc ils se prennent 20%. Et Gravity Shot dure une seconde de plus. Donc voilà, ça c'est un bonus de cette arme de base. Donc là on voit il y a un bonus là qui est Minus Shield. Donc je fais des dégâts supplémentaires au bouclier. Ça c'est une arme bleue, donc j'imagine que c'est pareil, il y a du blanc, du bleu, je sais pas ce qu'il y a après, vert, violet, aucune idée. Là il y en a deux. Execution max target increased by 5. Par défaut, je peux exécuter 3 cibles, je crois. Donc, pour en avoir plusieurs, c'est cool. J'ai chance de faire du poison. Celui que j'équipe en ce moment, c'est 20% de dégâts supplémentaires sur l'attaque basique. Ce qui est cool, puisque j'utilise beaucoup mon attaque de base. Là, c'est du bouclier en plus. Donc, ça n'a pas l'air d'être grand chose, mais c'est cadeau, quoi. C'est du shield. Et focus damage increase by 20%. Donc quand j'ai du focus, ça fait plus de dégâts. Ok, c'est cool. Et là, 10% de chance de spawner une zone qui ralentit les ennemis de 50% pendant 3 secondes. Ok, c'est un debuff, c'est mieux. Les autres persos, il y a un autre perso à distance, l'espèce de robot là, qui tire un rayon, un gros rayon. Bah, de toute façon, je vais l'utiliser, on va voir. On va juste changer d'arme. La laser length reduced by 55. Donc là le laser est plus court mais il fait plus de dégâts sur l'arme de base. On va essayer l'overcharge. Bien. Plus de portée, plus de dégâts sur le tip, sur le bout.
On va essayer ça. Plus de vie et les ennemis donnent plus d'XP. Ok. On va essayer un contrat donc. Par défaut, lâché en anglais. J'avais testé le jeu en français. La traduction était pas folle, genre private, c'est-à-dire privé, mais c'était traduit par soldat, puisque private c'est aussi le. C'est le mot qui est employé pour désigner un soldat. Donc, si vous voyez en français le marqué soldat, c'est pour jouer en solo. Donc là, on voit qu'on a une mission jaune. Je sais pas si elle est plus balèze ou quoi. Hein. Elle donne plus de crédits, 2000. Puis elle donne, je pense, des trucs un peu plus rares. Donc on va la faire. On va essayer de la faire voilà, à plusieurs. J'ai lancé le matchmaking. Je sais pas s'il y aura du monde. En tout cas, je suis prêt. Je sais pas si les gens peuvent rejoindre en cours. En tout cas, s'ils veulent, ils sont les bienvenus. On a montré vite fait le menu. On va voir un deuxième perso. En plus, il a un rayon. Ok, le rayon change de couleur, c'est la surchauffe. Et après, faut que j'attende. Faut que j'attende combien de temps? D'accord, là, le problème, c'est que j'ai pas d'indication visuelle sur. Combien de temps faut que j'attende? Donc avec lui, qu'est-ce qu'on a? On a le rayon, là. Je peux balancer une espèce de barrière laser, là. Donc les ennemis passent dedans, puis ils se prennent des dégâts. Donc j'ai un dash. J'en ai qu'un seul, par contre. Je peux envoyer une grosse boule, là, bim. Voilà. Et avec RB, en fait, la barre ici en dessous, elle se remplit au fur et à mesure que je tape sur les ennemis. Et je peux me balancer des petits medikits. Qui utilisent de cette barre bleue, du coup. Qui ne réduit pas. Ok. Ah, c'est marrant, jamais fait cet environnement. Donc on va voir. On va voir ce que ça a proposé. Ah, c'est marrant, jamais fait cet environnement. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Du loot. On prend le loot. Le jeu a déjà été patché 3 fois depuis que j'ai l'acheté en début de semaine. Donc, il y a de quoi faire. Ouais, une fois qu'ils ont plus de bouclier ou d'armure, c'est un peu plus rapide. Je regrette un peu d'avoir pris cette arme là, parce que le fait de ne pas pouvoir tirer après pendant quelques secondes, je ne suis pas fan. Enfin. C'est pas grave, on va utiliser autre chose. Donc en fonction de la façon dont on s'upgrade, on va focaliser certains skills plus que d'autres. C'est normal. Voilà, donc là... Et je vais booster plus mes autres attaques plutôt que l'attaque de base. Donc là, ce qu'on peut avoir, c'est ça. C'est que le medikit, lorsqu'on le drop, on peut l'augmenter par défaut. Je vais utiliser un. Voilà. Ça me redonne 500 de vie. Si je le booste, après 3 secondes, ça remonte 1500. Ce qui est mieux. Mais on va plutôt booster les dégâts. Les attrapes as a second hit after 1 second. Non. Photon Bolt gets 2 lateral mini photon bolt at deal 100. Oui. Ça m'intéresse. Donc là, la boule que je lance ici, bim, beaucoup plus de dégâts. Donc lui potentiellement en fait il peut jouer le rôle de médic. Alors, c'est qu'on peut se spécialiser pour pouvoir soigner bien. Soigner beaucoup, soigner ses amis, c'est un peu le but. Là je suis tout seul, ça me suffit. C'est par où? C'est pas par là.
Ouf, d'accord. Fallait le voir ça. Hein. Bientôt passer niveau 3. Ça. Voilà. Donc là, ils ont beaucoup de boucliers, par contre ils ont pas beaucoup de vie. Une fois qu'on a pété le bouclier, juste quand tu les tires un petit peu, ils sont morts. C'est Erkout. Comme d'hab, on fouille parce qu'il y a du loot, des ennemis bien entendu. Mais les ennemis c'est bien, ça fait de l'XP. Là j'ai le bonus qui fait que j'ai 30% d'XP en plus. Ce qui fait que je monte beaucoup plus vite en niveau. Je vais arriver niveau 10 largement avant la fin du niveau. Donc là voilà, quand je ramasse un medikit... Non, le medikit par terre ça fait un champ de force. Lorsqu'il est ramassé, on s'en fiche. Improve basic attack buff, donc quand je fais une glissade, donc un dash, après pendant 3 secondes et demie je fais plus de dégâts, ce qui peut être bien mais je veux pas focaliser là-dessus. Par contre on va prendre ça. Quand je dodge à travers un trap, je me lance une onde de choc. Et ça c'est très cool. C'est très cool, on va vite voir comment ça fonctionne ça. Oula, c'est... Qu'est-ce que... Ah c'est par là. C'est très cool parce que ça ne supprime pas le trap. Le trap reste actif. Après il faut bien le placer. Et voilà. Voilà, et je peux le refaire plusieurs fois. Donc ça c'est plutôt cool. Alors on va se soigner parce que là je suis un peu... Donc je peux me soigner 3 fois en tout. Avec la jauge bleue. Faut quand même que je pense à utiliser mon attaque de base, sinon j'en recharge jamais cette jauge. Voilà. Tranquille. Bien. Donc là, tant que le truc est actif, voilà, je peux faire ça. Ce qui est plutôt cool. Par contre, s'il se fait défoncer le machin. Donc là où d'habitude on va plutôt le mettre devant entre les ennemis et soi, là je vais plutôt le mettre derrière pour pouvoir dasher dessus en passant. J'ai pas envie que les ennemis passent dessus puisque je veux le garder pour pouvoir continuer à l'utiliser moi-même. Donc ouais là les machins je vais pas les casser parce que c'est chiant, c'est long et ça me donne pas d'XP. On va passer simplement. Oula, j'ai pris cher. Viens ici toi, cadeau. Ok. Ouf. Et y a rien ici.
Donc je vais montrer aussi comment on chope du stuff par la suite. On en trouve un petit peu. Ah zut. Je me suis raté. Oh, beaucoup de vie là. C'est fort bienvenu. Donc les niveaux sont un petit peu labyrinthiques. Ouais. Sympa, il y a un petit peu de variété. Pour l'instant j'avais eu beaucoup de niveaux en extérieur, donc avoir un petit niveau en intérieur, c'est plutôt sympa. Voilà, niveau 6, j'ai accès à mon ultime. Donc j'ai soit une espèce d'énorme boule qui avance lentement qui fait des dégâts, ou je peux dropper des trucs de soins qui fait des buffs. On va prendre ça parce que j'ai jamais utilisé. J'ai souvent utilisé l'autre boule. Un petit peu de variété. Pour changer. On se balade. Ah bah d'accord. Ah d'accord en fait. Je pouvais entendre là-bas tout à l'heure. Voilà. Un marchand. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté ici ? Il y a toujours, toujours le soin. Ça c'est bien. Le reste c'est différent. Le bouclier j'aime bien parce que le bouclier ça se recharge. Donc c'est fort bienvenu. Mais du coup j'ai... Il a pas de bouclier lui de base ou il en a déjà 100 ? En fait on peut regarder. L'intéressant c'est qu'on peut voir ça. J'ai 0 plus 1000. 0, voilà, les 0. J'ai 1000 en plus via mon bonus. Donc je peux voir les skills que j'ai choisis ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir en fait quel skill ça va influencer. On voit ici le truc qui est sélectionné. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Non, le bouclier, j'aime ça moi. C'est des dégâts gratuits quoi, que je peux amortir. Je me prends 1000, si j'attends un petit peu sans me faire toucher, ça revient et c'est tranquille. Ok, je suis à quelle distance? Il y a 240 mètres encore. Les mines, je vais les garder. C'est bien parce que c'est autant de dégâts sur moi que sur eux au final. La vie drop de manière plutôt généreuse, je trouve. J'apprécie. Oh, je peux revenir en arrière? Non, on peut pas revenir en arrière. Du loot, donc des crédits. On peut pas passer là. On peut passer là. Tranquille, tranquille. On peut aller ici, mais il n'y a aucun intérêt. D'autres ennemis par là, je me fais un peu d'XP, non? Ça j'apprécie, ça a pas mal de portée. Voilà. Allez, niveau 8.
Photon Bolt is upgraded after passing after a laser over a laser trap. Donc ça c'est très 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 bon ça. Truc de medikit, on s'en fiche. Je suis tout seul. Donc là, je fais ma barrière, je tire à travers et puis je fais plus de dégâts. Donc ça j'aime. Ah, je suis dans une arène. Avec une espèce de... Ok, ils sont costauds. On va peut-être utiliser les... mon ultime. Là. Une fois qu'ils ont plus d'armure, ça ira mieux. Donc là, je suis presque. Par contre, ils font vraiment mal au corps à corps, faut pas se faire toucher. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du knockdown. C'est sûr que je vais faire du level up. Voilà. Ils sont difficiles. Là, j'en suis très bien sorti. Mais ils peuvent faire très 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 mal. C'est un coup à perdre, à crever direct. Par contre, voilà, vous avez vu, j'ai fait plus d'un niveau. Là, je suis quasiment niveau 10. C'est tout bon, ça. Marchand, là, juste en dessous. Très bien. Ah, pas tout de suite. D'ailleurs, on va se soigner. Bim, voilà, me voilà à fond. Prends tout ça, toi. On va juste faire les ennemis dans la zone. Ça, si je peux ramasser encore un peu de DNA. Qu'à faire. Pas de DNA. Ouais. C'est pas grave. Voyons ce qu'on peut acheter. Knockback. 6 projectiles. Plus d'armure. Prenons l'armure, ma foi. Souvent, en fait, j'achète rien. Et je garde pour me faire plus d'argent. Puisque. J'ai besoin de crédit. Ok, ça c'est un peu chiant. Hein. Et ça ne donne pas d'XP. Je sais pas si ça touche les ennemis, ça par contre. Bon bah là. Donc l'armure, elle est partie là. Par contre, j'ai récupéré heureusement mon bouclier. Courage fuyon. Ok. Dernier upgrade. Plus de piles, j'en suis pas servi encore. Alors. Photon Bolt, il y a too many Photon Bolt in line. Donc ça, c'est en ligne, pas sur le côté. Ou Laser Trap, ça fait une frontal wave. On va prendre ça. Parce que mon. J'ai déjà de quoi augmenter ma boule. Là, je vais augmenter mon Laser Trap. Vas-y, viens toucher ça. Ah d'accord, c'est frontal par contre. Soigner. Deux.
3. Viens donc prendre ta boule. Voilà. Ok. C'est où? C'est là. 30 mètres, j'arrive au boss. On va utiliser les pills là parce que. Oula. Ok, ça m'a donné. Voilà. Où il est? Par là. Voilà. Ouf. Ok. Zut, merde. Il tire à travers. Ouf. Bon, je m'en sens pas si mal. Le classique, il fonce dans un mur, il est stun. Il marche toujours cette histoire. On va se soigner. Bim, t'es stun. Ok, je sais pas. Pas trop de soucis. En plus il se prend les mines tout seul ce crétin. Allez. J'ai d'autres buffs mais je sais pas ce que c'est. Ouais, ça lui fait des dégâts aussi, ces mines. Ah zut. Faut que j'aille sur des mines là pour qu'il se spawn tout seul. Allez. Et c'est fini. Easy peasy. Bim. Ah, là il a droppé une arme par exemple. Voilà, c'est comme ça qu'on chope du loot en général. Voilà, on va remontrer les deux autres persos, mais on va faire des missions plus faciles et plus courtes. Enfin, plus faciles, comme ça j'avancerai plus vite. De toute façon, c'est des persos de mêlée, donc je serai un peu plus au contact. Donc ça c'est zéro. Donc on a vu les deux persos de à distance. Voilà. Donc là, le loot, on va choper du loot qui est mixte.
ici. Ça c'est mix pour les persos, ça c'est bien. Et les armes par contre sont spécifiques. Mais ce qui est bien, c'est que si on a un perso genre qui est niveau 40 là, bah il peut quand même partager ces trucs là avec les persos qui sont niveau plus bas. Donc là je viens de dropper cette arme là. Qui n'est que 33. Alors là j'en ai une 44. Donc, Après je sais pas si les dégâts sont... J'ai pas l'impression que ça change en plus. Eh, c'est pas bien grave. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un codex qui nous représente bah, les différents ennemis dans les différents niveaux.